un restaurant de houdon que j'aime beaucoup à Paris. C'est rue Villédo et ça s'appelle Kunitoraya. C'est près de la rue et c'est même à l'angle de la rue de Richelieu. Et il existe également un Kunitoraya 2 un peu plus loin, dans ce qui était jadis chez Pauline. Ce restaurant est assez étonnant et ma première recommandation, c'est de venir assez tôt. Moi, je suis arrivé à midi, histoire d'avoir une place et surtout de pouvoir goûter un peu la quiétude de l'endroit et puis son long et lent remplissage. Regardez, 15 mètres de long, 3 mètres de large, tout au bout un laboratoire immense, c'est là que l'on fait ces nouilles de farine de blé. Vous verrez, c'est assez simple, il suffit de choisir comme une entrée comme celle-ci, c'est de la boutargue légèrement grillée sur du daikon, c'est radis blanc. Pour ma part, j'ai choisi des tempura, des légumes et crevettes, c'était délicieux. Et on vient surtout ici pour les udon qu'on peut prendre soit chaud, on dit atsu atsu, ou alors froid, ia ia. Regardez, en quelques minutes, la salle est déjà pleine, mais ce qui nous intéresse, c'est une petite leçon avec les udon. Et c'est assez simple en fait. Vous avez un petit bouillon à côté froid, et puis vous avez ces magnifiques nouilles. Regardez, elles sont luisantes, elles sont belles, elles sont rondes. Alors ensuite, on se débrouille, on se décarcasse. Je sais pas comment on fait en fait. C'est là où l'on apprend que la faim est assez habile, parce que quand on voit ça, on n'a qu'une seule envie, c'est de les dévorer, de les avaler. Alors voilà comment on fait. On les trempe comme ça, on les remue et ensuite on les porte à la bouche et puis zou, c'est parti pour une petite bagarre avec l'intime, avec le désir, avec la faim. Et c'est comme ça qu'on règle ce léger problème technique. C'est bon, on peut parler en même temps, on se regarde, il y a une sorte de... Ben, on est ensemble quoi, on mange ensemble. Et ça fait partie du plaisir de la table. Que dire d'autre? C'est un endroit qui n'est pas trop cher. Dans les 45 euros à peu près. Moi, j'avais été un peu timoré avec mon beau costume vert, la durée en quelque sorte. J'ai pris cet tempura qui était vraiment sublime. C'était parfait. J'avais une petite fin d'été. Le soleil était là. La salle était magnifique. 45 euros donc à deux avec deux excellents thés. C'est pas mal. Ça va. Faire attention. Faut pas déraper. Mais j'appelle ça, moi, une excellente adresse qui est légère, qui vous met de bonne humeur et on sort léger. L'esprit allègre et le cœur en habit. Voilà, ça s'appelle Konitoraya, 45 euros pour deux. Venez tôt, peut-être qu'on se croisera.